Cette mouche ne pique pas, elle mord et elle devient le cauchemar de l'été en Espagne. Les morsures de cette mouche noire peuvent être extrêmement douloureuses et peuvent même conduire à une hospitalisation. En fait, elle se comporte un peu comme un moustique en se nourrissant de sang, mais au moment de mordre, elle injecte un anesthésiant, donc la victime ne sent pas qu'elle est piquée. La salive de la mouche restée sous la peau va provoquer une douleur très intense, voire des allergies, d'où certaines hospitalisations. Alors pourquoi elle prolifère autant? Tout simplement parce que la hausse des températures dans le pays favorise la reproduction de cette espèce de mouche. Donc si vous êtes en Espagne et que vous voulez éviter de la croiser, le mieux c'est de ne pas trop rester proche des zones humides comme les rivières ou les torrents de montagne. En ce qui concerne la France, aucune morsure n'a pour le moment été recensée.